faire, malheureusement. Ça, oui, manche très importante pour moi. J'ai 5 points d'avance sur le second Alexandre Ferrer. Donc, si j'arrivais à remporter cette épreuve, c'est sûr que ça me comporterait pour le classement général. Donc, nous verrons aujourd'hui. Les zones sont très belles, un très beau site, du soleil, donc une belle journée en perspective. Dernière manche du championnat de France de trial à la Bresse, dans un quart d'heure magnifique, exceptionnel pour notre discipline, avec un club organisateur qui a une très grande expérience du trial. Donc quand nous avons fait le choix du site de la Bresse pour une des manches du championnat 2018, la décision a été rapidement prise. Une très grande équipe, avec une grande expérience, avec un trial des nations organisé, moult épreuves de championnat de France, de championnat du monde. Donc le site de la Bresse, pour nous, c'est vraiment quelque chose d'incontournable. Merci. Pour l'instant, pas au top du top. J'espère faire mieux après. Voilà, magnifique. Oui. Ah, doucement, parfait. Ça roule doucement, ça roule doucement. Et là ça marche. C'est bon, volant.
Très mauvais début de saison. J'étais pas dans mon pilotage, j'étais pas dans ma tête. Et là, c'est vrai que sur les trois dernières épreuves du championnat de France, j'ai réussi à gagner. L'objectif, c'est pour moi le plus important d'aller chercher le titre cette année. Voilà, j'ai fait une très très belle course. Je suis très content. J'ai gagné avec pas mal de points d'avance. Il y a l'Espagnol Marc Riba qui était vraiment dans la course aujourd'hui et qui a tenu la pression toute la journée. Et voilà, la bagarre, elle s'est faite avec lui aujourd'hui et je suis très content d'en sortir victorieux parce que je reviens quand même de loin en début de saison, de très très loin, notamment en mondial, mais voilà, j'ai toujours à cœur de gagner le championnat de France. Pour moi, c'est la chose la plus importante et on va tout faire pour la semaine prochaine à Vertolaï. Mais un bravo, on lève les coupes. Merci à tous. Bravo. Allez Alex. Voilà, j'ai fait les tours 1-1 et franchement ça fait vraiment du bien au moral et ça donne beaucoup de confiance. Je tenais vraiment à féliciter le club organisateur parce qu'ils ont fait une très très belle épreuve, que ce soit pour le public, que ce soit pour les zones. On voit qu'il y a énormément d'efforts qui ont été faits et je pense qu'il faut vraiment les féliciter.